l'ai jamais remarqué. Je t'assure. Tu exagères. Stephen, il me dévisage. Hier, je suis allée au village et une vieille femme s'est arrêtée en plein milieu de la rue et m'a fixée comme si j'étais un monstre. Ah, ne sois pas si mélodramatique. Je suis une vraie bête de foire. Les gens sont tellement étroits d'esprit. Comment tu as fait pour grandir ici ? J'étais très différent à l'époque. Et je t'assure qu'ils ne sont pas si horribles. Facile à dire pour toi. Fais un effort, Kate. C'est ce qu'on avait dit. On reste un an ici et on a de bonnes chances d'intégrer l'observatoire de la CIA. Stephen ! Oh, c'est pas vrai. Voilà l'entame. Stephen Appleton, je savais bien que c'était toi. Alors, comme ça, tu t'es trouvé une petite Amerloc ? Bonjour. Une bête de foire. Bonjour, je suis Kate. Mon chéri, je ne sais pas si tu auras l'occasion d'écouter ce message. Tu as peut-être décidé de rester avec Kate, et je ne te le reproche pas. Mais je ne peux pas t'attendre non plus. Je dois penser au bébé et... Enfin, ça fait longtemps que j'aurais dû partir. J'ai plus d'excuses pour rester maintenant. Mais je t'aime vraiment, Stephen. Et... j'espère que tu seras heureux, d'une façon ou d'une autre. Ah, voilà les avions. Thank you.
ta bonne mine. Pas vraiment, mais merci. Toi aussi. Alors, tu retrouves tes marques ? Rien n'a changé ici. Enfin, je suis content d'être rentré. Je me sens comme chez moi. Même si c'est un peu bizarre. Ça fait un sacré bout de temps, Stéphane. La dernière fois que tu m'as vu, je marchais normalement. Moi, je te trouve en forme. Arrête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé de ce qui est arrivé. Ou pas arrivé. Oui, tu as raison. Tu crois que tu as fait une erreur en partant ? Ma mère dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses, pour faire le bon choix. C'est drôle. C'est exactement ce qu'elle m'a dit l'autre jour. Je me demandais où elle voulait en venir. C'est embarrassant. Désolé. Bon, je ferais mieux d'y aller. Pourquoi ? Stéphane, on est tous les deux mariés. C'est pas une bonne idée. De faire quoi ? On est deux vieux amis qui boivent un verre, rien de plus.
6 semaines plus tard, quand il a pensé que je pourrais supporter la nouvelle. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. C'était une femme bien, Frank. La femme idéale. Vous devriez revenir à l'église, renouer avec la communauté, vous nous manquez. Je ne peux pas, mon père. Je ne peux pas prier Dieu et faire semblant de ne pas le détester. Comment faites-vous pour ne pas lui en vouloir? Je fais tout mon possible, Frank. Disons que c'est contraire à la description du poste. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous devez lui faire confiance, même lorsque ses méthodes vous semblent bien opaques. Peut-être nous verrons-nous dimanche.
Ça ne m'étonne pas de vous, venir jusqu'ici à pied. Vous savez bien que Charlie vous aurait déposé. Et puis quoi encore? Son camion puant empoisonne mes oiseaux. Il ne devrait pas conduire sur ces petits chemins. C'est dangereux. Je crois qu'il espérait avoir une discussion avec vous au sujet de Frank. Il n'y a rien à discuter. Écoutez, Wendy, ils ont peut-être tous peur de vous, mais ça ne prend pas avec moi. Vous avez 68 ans. Soyez adulte. Parlez avec Frank. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Donnez-moi ma mangeoire. Promettez-moi que vous irez voir votre frère. Megan Holloway. Pas question, promettez-le-moi. C'est pour votre bien et vous le savez. Vous êtes insupportable et manipulatrice. Pas étonnant que Charlie vous adore. Pas étonnant que je quoi? Pas étonnant que tu ne finisses jamais ce que tu commences. Je croyais t'avoir dit de vérifier les stocks entrants. Wendy, voilà votre mangeoire. Je vais dire à Frank que vous passerez. Charlie, arrête de rêvasser et fais chauffer de l'eau. Rends-toi un peu utile.